Bonjour à tous, merci de bien vous réveiller en direct sur Canal 3 Bénin. Bienvenue sur Actu Matin, on fera le point de l'actualité. L'actualité dominée par les questions électorales et vous le constaterez dans un instant avec les gros titres de la presse nationale ce matin. Et oui, dans quelques heures. Cette nuit, du vendredi à partir de 0h, sera officiellement lancée la campagne pour les 9e élections législatives démocratiques en République du Bénin. Encore quelques heures et les 7 partis en lice enverront leur candidat à la conquête des électeurs sur 15 jours réglementaires. Le marché de la propagande va donc s'animer. On verra dans cette campagne qui sera le plus offrant et de quelle manière. En plateau ce matin, grand angle sur les relations candidats-électeurs autour de ces questions. Quel lien le candidat doit-il établir avec l'électeur? Est-ce une relation d'explication du projet de législature? Est-ce une relation pécuniaire dans laquelle l'électeur vient tirer un profit financier du candidat? Comment réussir sa campagne électorale? Avec la réforme du système partisan, sommes-nous en présence d'un nouveau type de candidat et d'un nouveau type d'électeur? Débat à suivre avec les débatteurs tout à l'heure. On vous fera vivre toute l'actualité autour de ces élections à venir. La Sénat a rendu publique la liste des agents électoraux, points focaux, coordonnateurs d'arrondissement et à la HAC, les partis politiques ont signé une charte de bonne conduite couvrant cette période. Tout cela fait l'actualité ce matin. Merci de nous rejoindre sur Actu Matin. Voici la météo. Allez, la une de l'actualité avec vous, Rabali Kouara. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Il faut dire qu'il y a eu conseil extraordinaire des ministres hier. Certaines parutions en palme. Ce sont les élections législatives du 8 janvier 2023 qui fait la une des parutions avec le quotidien Fraternité qui donne à lire ce matin la liste des points focaux communaux et des coordonnateurs d'arrondissement. Et puis le guide pour le jeune manager, c'est un travail de Auguste Videgla qui conduit les pas de la jeunesse vers l'auto-emploi. Étalage de jouets à Cotonou, le signe annonciateur de la fête de Noël. À lire donc dans les colonnes du quotidien Fraternité, le compte rendu du conseil extraordinaire des ministres et pourquoi le prix plancher de certains produits agricoles. À la une maintenant du quotidien de service public, la Nation, Caisse nationale de sécurité sociale, le mode de calcul des pensions revues. Pendant ce temps, les partis politiques signent une charte de bonne conduite au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, comptant donc pour la campagne des élections législatives de 2023.
2023. Et puis recherche scientifique à l'université d'Abomey-Calabi, des inventions pour l'employabilité des jeunes exposés. Info matin cette fois-ci, législative de janvier 2023, 15 jours pour convaincre 6 600 572 électeurs dès minuit. Et puis entrepreneuriat, création d'emplois, management, 1000 jeunes à l'assaut de la clé de l'expert manager Auguste Videgla ce week-end. Quotidien, les quatre vérités. Alerte, mauvaise gestion dans les cars à Gamay, Koudo, Mouin et Agnito. Le président Patrice Talon et le ministre en charge de l'agriculture appelés au secours des élus convoqués des mains invisibles bloquent le dossier. Fait constater le quotidien Les Quatre Vérités. Et puis élection législative du 8 janvier 2023, les partis politiques en lice signent la charte de bonne conduite à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le quotidien Fratel, le quotidien Les Quatre Vérités, qui fait connaître pourquoi le gouvernement a mis fin à la fixation du prix plancher du soja, de karité et du kadjou. Quotidien Le Contemporain. Cour constitutionnelle, le président Amouda Issifou reçoit l'aumônier national de l'Église catholique. Et c'était les questions des élections apaisées et transparentes qui étaient au cœur de leurs échanges. Et puis, transport terrestre, un nouveau permis de conduite biométrique de zéro en vigueur désormais. Quotidien Le Radar. Talon et Biden, le président américain, sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la théorie de bonne gouvernance. Matin libre, quotidien Matin libre, législative de 2023, Talon poursuit son opération de charme. Et puis Bénin, journaliste privé de liberté, avalanche de réactions sur le cas Virgile à Rouen. Quotidien Le Télégramme pour finir, législative 2023 au Bénin, voici la liste des coordonnateurs d'arrondissement et des 81 points focaux communaux. Et puis Noël Chadaré qui s'est prononcé sur la question de la revalorisation des salaires. Les informations confirment que les salaires ont connu une augmentation. Et puis sécurité en période de fête et de fin d'année, le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya, fait une promesse au malfrat. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce jeudi dont on va se contenter en attendant que la revue de presse de Assiongo Kanyi Assiongo vient nous en dire un peu plus en fin d'émission. On revient rapidement à la une du quotidien Fraternité qui titre ce matin législative du 8 janvier 2023, liste des points focaux communaux et des coordonnateurs d'arrondissement. Voilà, de la page 6 à la page 10 du journal, et eh bien vous avez ce tableau, cette liste des coordonnateurs d'arrondissement pour ces élections et des points focaux. Le journal Fraternité qui nous parle également de l'entrepreneuriat des jeunes avec un acteur politique, Gbecheyon Auguste Videgla, qui lui est candidat du Bloc républicain. Il est professeur de management et économie de développement qui sort un ouvrage pour guider les jeunes afin qu'ils réussissent en entreprise privée, le guide pour le jeune manager. Et puis cette cérémonie se tiendra donc le samedi prochain au Palais des Congrès de Cotonou à la Salle Bleue à partir de 8h30 où 1000 jeunes seront formés à l'entrepreneuriat. On parle également de promotion du vivre ensemble en période électorale. Il y a cet appel de Ruffin Zomaon à la paix, c'est l'ex-ambassadeur du Bénin au Japon, et qui lui également est candidat aux élections législatives sur la liste Les Démocrates, et qui rejette toute violence susceptible de menacer la paix dans le département des Collines en particulier et sur l'ensemble du territoire béninois en général. Voilà ce qu'on peut retenir de quelques informations. On a parlé également de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a fait signer hier aux 7 formations politiques en lice pour ces élections législatives
une charte de bonne conduite, un peu comme vous êtes en train de le voir sur ces images. Et ainsi, nous vous présentons les titres du bulletin matinal de l'information. C'est une entente libre et concertée de l'instance régulatrice des médias et des formations politiques à l'ASSO des suffrages le 8 janvier prochain, une responsabilité sans faille dans les contenus à propager sur les masses médias. Les 7 partis dans la course de ces législatives étaient donc présents. Et puis, 3 décennies d'existence déjà pour l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, en abrégé AGTIP Bénin, la présentation du livre blanc sur la maîtrise d'ouvrage délégué réalisé par l'AGTIP Bénin, le SO. Particulier qui grave cette commémoration dans les annales. C'est à Cotonou que la célébration s'est tenue. Nous aurons les précisions dans notre bulletin matinal avec William Cliquant et moi en ouverture. Warabalipara, à tout de suite. Oui, à tout de suite, Christian. Mais oui. Il y a une petite information que je voudrais partager avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir que le général de division Soumanou Oké est décédé, n'est-ce pas? Il sera inhumé vendredi prochain. On profite donc vendredi demain. Demain vendredi. On profite pour présenter nos sincères condoléances à toute sa famille et au corps habillé. Voilà, ce grand-fils du Bénin, ce digne fils qui s'est sacrifié, qui a travaillé pour la sécurité chez nous, République du Bénin. Paix donc à l'âme de l'illustre disparu. Voici la pause. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Dans quelques heures démarre la campagne électorale et subséquemment la campagne médiatique en vue des élections législatives du 8 janvier 2023. Comme à ses habitudes, eh bien, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a fait librement adhérer les formations politiques à une charte de bonne conduite pour une campagne médiatique respectueuse des normes et des valeurs éthiques. Invités à signer cette charte, eh bien, les 7 partis politiques en lice ont tous répondu présent à l'appel du président de l'institution de régulation des médias, Rémi Prosper Moretti. Compte rendu de l'activité avec Herman Aniambosou et Rachid Soubir. C'est désormais une tradition au Bénin à chaque veille du rendez-vous électoral majeur. Une charte de bonne conduite qui requiert la libre adhésion des partis politiques devant l'autorité de régulation des médias. Nous avons voulu renforcer ces balises par la signature. Donc d'une charte de bonne conduite, une charte qui nous engage moralement, une charte qui nous donne des obligations, bien sûr, sans oublier nos droits. Nous n'allons pas négocier votre collaboration, nous savons que cette collaboration, elle est déjà acquise. Dans quelques heures démarre la campagne électorale et subséquemment la campagne médiatique en vue des élections législatives du 8 janvier 2023. Et la charte objet ici d'adhésion regroupe en 16 articles les droits et devoirs des formations politiques en lice pour la conquête de l'électorat. Grand 1, les devoirs. Article 1er. Le parti politique et le candidat prenant part aux élections législatives de 2023 s'obligent à ne s'adresser qu'aux médias légalement reconnus par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Article 2. Le parti politique prenant part aux élections législatives de 2023 s'interdit tout comportement susceptible à nuire à la sincérité et à la transparence du scrutin. Article 3. Toutes les interventions politiques doivent être circonscrites à une saine émulation des idées et à des suggestions visant à améliorer la gouvernance et à contrôler l'action du gouvernement pour le développement du Bénin. Invités à prendre connaissance de cette charte pour y adhérer, les partis politiques en lice ont tous répondu présents à l'appel du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous connaissons votre engagement
nous connaissons votre patriotisme et nous sommes sûrs que ensemble nous allons pouvoir mener à bien le bateau de la paix. Une charte de bonne conduite pour une campagne médiatique respectueuse des normes et des valeurs éthiques. L'adhésion des partis politiques est totale, avec l'engagement de la HAC de travailler à un accès équitable aux médias de services publics comme privés, ainsi que le prévoit l'article 45 du Code électoral. Et voilà, que d'engagement pris par les responsables et représentants des partis politiques en lice pour la présence à cette 9e législature. Et vous avez des précisions pour nous. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. Canal 3 Bénin marque un arrêt sur propos afin de vous faire toucher du doigt le sens que requiert pour les partis politiques une charte de bonne conduite pour des élections apaisées. Ils sont au micro de Herman Agnambosou et Rachidi Soupirou. Parce que tout ce qui se passera sur le terrain nous engage et je peux vous assurer, Monsieur le Président, qu'au niveau du parti Moël Bénin, nous prenons avec beaucoup de sérieux tout ce qui est contenu dans la charte. Le Bloc républicain se félicite de prendre part à la présente cérémonie qui consacre la signature de la charte. Cette charte pour le BR est un pacte et pour qui connaît le sens d'un pacte, c'est un engagement ferme. Et dire au nom du mouvement populaire de libération, au nom du directoire de notre parti, que pour peu que toutes les institutions chargées d'organiser les présentes élections veuille que la paix règne dans le pays, je pense que nous également, nous jouerons notre partition pour qu'il y ait la paix. Nous avons suivi avec un grand intérêt votre discours d'ouverture et la lecture de la charte dans laquelle nous avons retenu beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des partis politiques que nous représentons ici. Et s'il y a un mot qui ressort dans ces deux interventions, c'est le mot paix. Nous devons tout faire pour que la paix règne dans notre pays, parce qu'il y va de l'intérêt de nous tous. La signature de la présente charte symbolise un comportement de la paix. Et pour ceux qui connaissent le parti FCBE, depuis les événements dans ce pays, en l'occurrence après 2019, l'FCBE a apporté le chemin de la paix. Donc c'est tout heureux que nous nous trouvons ici dans notre Marigot à signer cette charte qui, ma foi, réoriente les choses, situe les responsabilités. La présente charte est conforme à la posture qui a toujours été celle de l'UDBL. C'est avec bonheur et enthousiasme que nous avons signé la présente charte. L'UDBN s'engage à respecter scrupuleusement la charte de bonne conduite des partis politiques et vous remercie des efforts que vous fournissez pour le bon déroulement des élections à venir. Je vous remercie. Par rapport à l'Union progressiste, Monsieur le Président, par rapport à ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est un engagement renouvelé de l'Union progressiste, le renouveau, vis-à-vis de la République, vis-à-vis des Béninois et des Béninoises. C'est un engagement que nous venons de prendre pour signifier aux Béninois et aux Béninoises, à nos compatriotes, que nous resterons dignes lors de ces 15 jours de campagne que nous allons aborder. Alors, cet arrêt sur propos des partis politiques en lice pour les législatives du 8 janvier prochain, ils étaient à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ils s'engagent pour des campagnes apaisées grâce à cette charte de bonne conduite signée. On reste avec les partis politiques.
puisque encore un membre de plus dans la famille Union Progressiste, le Renouveau, Azakota, le chef de l'arrondissement de Cozon, a déclaré tourner dos au bloc républicain pour désormais militer au sein du parti du Baobab. C'était lors d'un meeting des militants du parti dans les 23e et 24e circonscriptions électorales. Les manifestations ont été placées sous le parrainage de l'honorable Boniface Yerweto. Mais les détails avec Imet Hélène Amoussou. Encore un farouche militant du Bloc républicain hier, Luc Lantef vient de rejoindre la famille de l'Union progressiste Le Renouveau. L'annonce officielle a été faite ce dimanche lors d'un meeting organisé dans la commune de Zakota. Devant les leaders de la formation politique dans la 24e circonscription électorale, les militants ainsi qu'une forte mobilisation de la population, le chef de l'arrondissement de Tindik-Pozon a donné les raisons qui justifient son choix. Je voudrais que mon arrondissement de Pozon aussi soit changé. Parce que tout le vague, bien, s'est rentré en UP. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de quitter mon parti BR pour rejoindre UPR. Ça veut dire que la vérité à Zakota est en train de prendre ses marques. Je voudrais lancer un appel à tous les autres conseillers qui sont en train d'hésiter et de ne pas avoir peur. Cette adhésion, selon le nouveau venu et ses compagnons, est le résultat d'une longue période de réflexion, d'analyse, mais aussi de détermination à œuvrer pour l'essor de la localité de Kozou en particulier et de Zakota en général. C'est aussi la réponse à la main tendue des leaders de la région, notamment l'honorable Boniface Yerweto, mais avec qui l'élu local a eu main dans la main par le passé à batailler sur le terrain politique. Je suis heureux que mon frère, précédemment partisan, défendant la même cause, qu'il me tende la main, qu'il me soutienne dans tous les cas. Ça me réconforte et je crois que l'heure de Dieu est la meilleure en toutes choses. Mais maintenant, la fraternité, la proximité qu'il y avait entre nous vont revenir. Donc je suis vraiment très fier de lui et je pense que nous avons ensemble le devoir de faire en sorte que la voix de la raison, la voix de la sagesse, la voix de la vérité puisse vraiment être celle qui assure le développement et le progrès de notre pays. C'est une joie de savoir qu'un ancien camarade revient à la maison, rejoindre ses anciens camarades. Je pense que le parti en est honoré. Il s'agit là d'un grand électeur qui draine énormément de militants et donc l'Union progressiste, le Renouveau, n'en sort que davantage renforcé dans cette circonscription électorale. La nouvelle de l'adhésion de Luc Lantef à l'UP le Renouveau a été appréciée par plusieurs intervenants qui ont pris la parole lors de ce rassemblement. Nombreux sont ceux d'entre eux qui y voient un retour au bercail, rassurés de l'engagement des uns et des autres dans la famille du parti Baobab qui ne cesse de s'agrandir ces derniers temps dans la 24e circonscription électorale. Les leaders de la zone ont invité à nouveau les militants à redoubler d'ardeur au travail pour l'enracinement du parti dans la région. Nous allons vivre à présent en image cette célébration. L'agence d'exécution des travaux d'intérêt public a 30 ans d'existence et 30 ans au service du développement. William Clicquant. Un 30e anniversaire, Christian, marqué par la présentation du livre blanc sur la maîtrise d'ouvrage délégué réalisé par l'Agétype Bénin. La maîtrise d'ouvrage délégué d'ailleurs qui est un secteur très peu connu ici en Afrique et au Bénin précisément. La commémoration a eu lieu à Cotonou, nous disent Ouliat Sanoussi et Deron Kwevi. Un gâteau coupé devant l'assistance pour les 30 années d'existence de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public Agétype Bénin SA. Cette célébration consacre la maturité de l'Agétype, 30 années d'expertise en maîtrise d'ouvrage délégué, 30 années au service du développement. L'agence a fait du chemin et a connu aussi bien des succès que des échecs. Notre plus grande réussite, ensemble avec notre sœur Agéture, notre grande sœur l'Agéture, et les autres agences du réseau Africatype, c'est d'avoir introduit la notion de maîtrise d'ouvrage délégué dans l'exécution des investissements publics du BTP, du Bénin, et d'en avoir fait un nouveau métier reconnu et crédible auprès des administrations publiques, des collectivités locales et des bailleurs de fonds et toutes sortes d'administrations, même les privés.
L'autre point fort de notre success story est la qualité de nos ressources humaines et l'amélioration sans cesse de nos process, de nos procédures. AGTIP Bénin est la nouvelle dénomination de l'Agence de gestion de la dimension sociale du développement, AGDSD, créée en 1992 suite à l'adoption de la loi numéro 2001-07 du 9 mai 2001 portant maîtrise d'ouvrage public au Bénin. La première AGTIP ayant été créée au Sénégal en 1989, le concept s'est vite répandu avec la création de 19 autres agences dans 17 pays dans un contexte de paupérisation accrue. Rappelant ici les conditions de création de l'AGTIP Bénin, le ministre d'État chargé du développement a saisi l'occasion pour exprimer la gratitude du gouvernement et du Bénin pour tout ce qui a été entrepris au cours de ces 30 dernières années. Permettez-moi donc de dire mes félicitations au PDG, mais aussi aux femmes et aux hommes qui ont contribué à garder la maison AGTIP Bénin debout et à braver les difficultés qui ont jalonné le parcours de l'institution jusque-là. En 30 ans d'existence, on le verra dans le livre blanc, c'est environ 5000 salles de classe qui ont été construites. Plus de 3000 enfants chaque année sont allés à l'école grâce à ces infrastructures. C'est 3 hôpitaux de zone qui ont été construits et des milliers de vies qui ont été sauvées depuis la création de l'AGTIP. Ce sont donc ces actions de développement que nous célébrons aujourd'hui autour de l'AGTIP et je veux souhaiter nos pas 30 ans l'année d'existence encore, mais peut-être 100 ans. Le clou de l'événement, c'est la présentation du livre blanc sur la maîtrise d'ouvrage délégué réalisé par l'AGTIP Bénin. La sortie de ce livre pour marquer ses 30 ans permettra également aux étudiants et jeunes chercheurs de mieux connaître le secteur de la maîtrise d'ouvrage délégué et aussi l'agence. Aujourd'hui, l'agence est experte en gestion de projets et est certifiée à la norme ISO 9001 version 2015 depuis 2017. Il existe désormais une mutuelle de santé des acteurs de la filière Nana sur le plateau d'Alada. Les producteurs, transformateurs et autres acteurs de la chaîne dans les communes de Toribocito, Zetofor et Alada ont opté pour cette mesure de protection sociale afin d'éviter les dégâts survenant dans leurs activités en cas de maladie. La création de la mutuelle compte pour la mise en œuvre du programme développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles des FIA. L'Assemblée générale constitutive d'Alada en bref. Plus besoin d'hypothéquer sa plantation à plusieurs mois de la récolte avant de pouvoir se faire soigner. Point n'est besoin désormais de vendre sa production d'ananas à vil prix pour les soins médicaux ou les endettements pour cause de santé. La solution adaptée à ces producteurs, transformateurs et autres acteurs de la filière ananas leur est apportée ici par le programme développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles des FIA. C'est une mutuelle de santé dont les modalités de création et de mise en œuvre dans les communes de Toribocito, Zé, Tofo et Alada sont discutées à cette Assemblée générale constitutive. L'ONG APROSOC, conjointement avec la CGTB, travaille à la mise en œuvre de deux volets du projet. Le volet droit du travail qui est mis en œuvre par la Confédération générale des travailleurs du Bénin et le volet protection sociale qui nous a été confié en tant que ONG, Action pour la protection sociale, qui travaille depuis plusieurs décennies pour la mise en place et le développement des mutuelles de santé au Bénin. Et ce qui est ciblé ici, c'est la santé. Mettre quelque chose de côté pour se soigner dès que vous serez dans le besoin, dans un esprit de solidarité. Cette mutuelle de santé vient à point nommé car soulagera les peines de vos employés en cas de maladie ou autre difficulté de santé et vous permet de répondre aux dispositions du gouvernement qui exige désormais l'assurance santé à tous les employés des entreprises et services. Conscient de l'intérêt de cette initiative de protection sociale initiée par APROSOC, Enabel et WSM, les acteurs de la filière ananas s'en réjouissent. On n'a pas de l'argent pour se mobiliser pour les frais de maladie, mais grâce à cette mutuelle maintenant,
nous sommes bien et on sait comment s'organiser pour être en bonne santé. La maladie nous suit tous les jours, mais elle ne nous prévient pas avant d'arriver, elle nous surprend. Donc on a besoin de prendre des dispositions pour pouvoir faire face aux dépenses en son temps. Il est vrai que ce n'est pas de nos habitudes, ce n'est pas de notre tradition de mettre quelque chose de côté pour la santé. Donc ce qui a lieu de faire, après la naissance de cette mutuelle, nous allons les accompagner en sensibilisant les différents acteurs. Les instances dirigeantes de la mutuelle de santé vont être désignées à l'issue des travaux. SOS Village d'enfants au Bénin a organisé hier une séance de reddition de compte des activités du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et du système de protection de l'enfant COPPSPE. L'atelier tenu en présence des bénéficiaires a permis de faire le bilan à mi-parcours et aussi d'élaborer les différentes perspectives. Il s'est déroulé au siège de SOS Village d'enfants à Abomey-Calavi. On va suivre le reportage d'Ali Moumouni. Brigitte est une jeune tutrice. Depuis un an, elle bénéficie du soutien de SOS Village d'enfants au Bénin à travers le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et du système de protection de l'enfant par COPPSPE. Comme Brigitte, ils sont nombreux ces enfants et jeunes ainsi que leurs parents qui bénéficient du PACOP SPE. Après une année de mise en œuvre du programme, l'heure est arrivée de faire le bilan afin d'évaluer le chemin parcouru. Exercice auquel se donne SOS Village d'enfants au Bénin avec les bénéficiaires. Pour la première année d'activité, je pense que ce qui a été fait n'est pas négligeable. N'est pas négligeable parce que la plupart de ces familles-là ont bénéficié du soutien de ce programme, que ce soit les enfants par les sensibilisations, les formations de base, le renforcement des capacités. Parce qu'il y a des jeunes qui sont en apprentissage et qui n'ont personne pour les aider à continuer leur formation. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant est mis en œuvre dans deux communes du Bénin, à Abomey-Calavi, quatre arrondissements, Hevier, Zinvier, Panron et Golodjigbé, sont prises en compte, ainsi que le premier, deuxième et troisième arrondissement de Parakou. Le PACOP SPE vise une meilleure protection de l'enfant sur le territoire national. Il est important de mentionner que malgré tous les efforts déployés par les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, beaucoup de défis restent à relever par rapport à la protection de l'enfant dans notre pays. Et pour ces enfants, notre travail ne se termine que le jour où ils ont un emploi et qu'ils peuvent vivre de manière autonome. Au cours de l'atelier de reddition de comptes, toutes les activités menées dans le cadre du programme sont présentées aux participants. Ensemble avec les bénéficiaires et les autorités locales, ils ont discuté des nouvelles perspectives. Toujours à Abomey-Calavi, précisément à l'hôtel de ville, cette fois, la Croix-Rouge béninoise et ses partenaires ont procédé au lancement officiel de l'assistance aux communautés touchées par les inondations cette année. La cérémonie de remise de kits d'accompagnement dans ce reportage. À travers ce geste, la Croix-Rouge béninoise lance officiellement son opération d'assistance aux communautés touchées par les inondations au cours de l'année 2022. Cette nouvelle action prend en compte six communes, à savoir Abomey-Calavi, Adjohun, Cotonou, Soava, Grand Popo et Ouenhi. Elle vient s'ajouter aux activités de soutien déjà en cours dans 10 autres communes.
À cette communauté, la première des choses, d'abord, c'est la sensibilisation sur les maladies qui continuent sur le terrain. C'est la formation de ces communautés-là sur les diverses thématiques liées à l'eau. Et en plus, nous avons des kits, que ce soit les kits alimentaires, les kits d'hygiène, les kits, les vivres et tout ça, seront distribués à chacun des foyers, d'accord, pour soulager un tant soit peu leur souffrance. Pour les 6 communes, environ 750 ménages bénéficieront du soutien de la Croix-Rouge sur les 4 prochains mois. L'opération permettra aux sinistrés de se réinstaller et facilitera également la formation des secouristes dans les différentes communes. Et par ma voix, je porte galant au nom des collègues maires que ces dons vont aller directement aux intéressés qui sont touchés par ces inondations. Je voudrais inviter les bénéficiaires à faire un bon usage de ces équipements afin de conforter davantage nos partenaires dans leur généreux élan de solidarité envers nous. L'opération d'assistance aux communautés touchées par les inondations au Bénin est financée par l'USAID et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et c'est tout pour ce bulletin matinal. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous, William Cliquant. Déjà installé, Wahabali Para, Eman Parfait, Aniambousou. Il va nous rejoindre dans un instant, Hakimé Seydou Ousseni. Et puis nous aurons, je dirais quoi, il s'agit d'un administrateur électoral, voilà, qui sera avec nous, Victor Bocan, pour analyser l'actualité électorale qui nous conduira dans quelques heures à l'ouverture de la campagne électorale sur 15 jours. La campagne électorale pour les élections législatives de janvier 2023. Allez, restez avec nous sur Actu Matin. Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Gorry, Avenue Stemmez, Kangizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Et quelle technologie vous souhaite? Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Où il y a Eco Bavaria, il y a du bonheur. Les grands moments méritent d'être célébrés avec Eco Bavaria, le breuvage de cette génération et des générations à venir. Oui, Eco, notre Eco, toujours au rendez-vous. Eco, la tradition de l'excellence. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. J'ai une nouvelle sensationnelle. La fête continue avec Canal+. Bon anniversaire. En ce moment, le décodeur est à 5000 francs dès Access. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec le Bachelor. Ah, mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire ? C'est-à-dire à la soirée de Kinshasa. Je l'ai enfin trouvé. Ou suivre les plus grands matchs internationaux avec l'ORTB et les débriefer avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ à 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Fini
Et avec les soucis de vol et intrusion intempestifs, Bennett Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion, se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Et voilà, pratiquement 44 minutes après 7 heures, si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin CRQ. Matin, le forum de discussion s'ouvre à partir de cet instant avec les débatteurs en plateau, Hakimé Ousili, Herman Parfait Aniambousou, Wahab Ali Para. Nous serons rejoints en cours de discussion en plateau par Victor Boko, il est administrateur électoral. On parlera donc des législatives à venir dans quelques semaines avec la campagne électorale qui va démarrer cette nuit à partir de 0h, bien avant. Eh bien, le premier sujet à aborder, on fera une certaine ouverture sur les réformes et les mesures engagées en République du Bénin. Cette fois-ci, on se tourne vers les sports, puisqu'à ce niveau également, il y a eu beaucoup de réformes qui sont engagées en faveur du développement du sport. Et il est annoncé une rencontre d'échange entre le chef de l'État, Patrice Talon, il est directeur des sociétés sportives. On sait que depuis quelques mois déjà, il n'y a que des sociétés sportives ont à charge les clubs sportifs en République du Bénin. Que dira Patrice Talon à ses hôtes aujourd'hui? C'est une grosse interrogation. Hakimé Ousili, certainement, pour faire un bilan de ce qui a été fait jusque-là. Possible qu'il s'agisse de faire un bilan de la mise en œuvre de la réforme introduite dans le secteur du sport. Et quand on parle de réforme, bien évidemment, eh bien c'est qu'on fait allusion, je dirais, au caractère professionnel que devraient revertir désormais les différents championnats au plan national. Et puisque c'est le football qui tire les autres disciplines vers le haut, eh bien, il a été instamment institué que tous les clubs qui prennent part au championnat, qui depuis 2 ans est appelé championnat professionnel chrétien, devraient, je dirais, respecter une des clauses les plus fondamentales. Cette clause, eh bien, se fait doter d'une société sportive. Et c'est au nom, je dirais, de cette trouvaille, bien évidemment, qu'on parle de sociétés sportives. Et les sociétés sportives ont une convention avec les associations sportives, c'est-à-dire les clubs qui étaient déjà engagés dans le championnat, puisque bien la fédération a pour interlocuteur premier les présidents des associations sportives. Oui. Et les associations sportives ont la possibilité, au regard donc de la réforme introduite, de contracter avec une société sportive ou de créer une société sportive qui aura la gestion du volet professionnel et de, je dirais, de la gestion. Et donc, société sportive s'occupe des corps professionnels, donc le côté professionnel, donc c'est ça dit quoi? C'est la société qui gère le recrutement des joueurs, qui gère le paiement des joueurs, qui gère tout ce qui
en grande infrastructure, quand on parle de société, eh bien, on voit immédiatement eh bien, un retour sur investissement. Donc, tout ce qui concourt à l'investissement et donc à la gestion des sous et consorts, eh bien, relève donc de la société sportive. Maintenant, eh bien, il est prévu que les sociétés sportives, quand elles récupèrent ce volet professionnel, elles ont l'obligation de mettre à disposition de ces associations, bien évidemment, je dirais, des moyens, pour ainsi m'exprimer, afin que ces associations continuent par animer le football amateur, la formation des jeunes, le football féminin et tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que dans la foulée, vous allez constater que, eh bien, il y a des sociétés qui se sont vues invitées dans cette réforme introduite au niveau donc, du secteur du sport. Et donc, il y a dans la foulée Christian, ce qu'on sait, c'est que la Lotto nationale du Bénin s'est arrogé un club qui était en son temps Ezaïe Football Club, et donc c'est devenu désormais Lotto Football Club. On a vu Taneka qui a signé une convention avec la société sportive Coton pour que désormais on ait le club Coton Football Club. Et à côté, c'est qu'on remarque qu'au niveau du Coton Football Club, eh bien, il y a plusieurs sociétés qui sont mises ensemble pour récupérer donc ce club qui aujourd'hui continue la formation à la base. Je fais donc ainsi allusion au président du club de cette association qui est Adrien Amandino, qu'on ne présente plus. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, eh bien, elles ont récupéré l'association sportive Cotonou, AS Cotonou. Et à ce niveau, c'est une convention, je crois, si mes notes sont bonnes, c'est une convention de 4 ans qui a été signée entre le président de l'association en son temps et jusqu'à présent, Bouraïma et Moro, et avec la CNSS. Et désormais, eh bien, c'est la CNSS qui est la société sportive de AS Cotonou. Au niveau des buffles en son temps, eh bien, c'était le CNCB qui s'est retrouvé comme société sportive des buffles, avec l'appellation CNCB et CNCB Sport. Malheureusement le CNCB est dissous, et avec les implications que tout le monde connaît, difficulté donc en ce moment pour le club de véritablement élaborer sur le terrain, parce que eh bien, il n'y a plus de bras armés financiers pour exécuter la tâche qui est confiée à cette société sportive. Donc en réalité, les 36 clubs qui animent le championnat dit professionnel devaient avoir chacun une société sportive qui gère le volet professionnel de leur association. Mais bon, certains présidents de club ont trouvé l'ingénieuse idée de ne forcément pas avoir affaire à des sociétés d'État comme société sportive, mais de créer eux-mêmes des sociétés sportives. Et donc, du coup, c'est quoi? Vous verrez certains présidents qui sont présidents d'associations qui sont aussi directeurs généraux d'une société, parce qu'ils avaient déjà les sociétés qu'ils ont juste ils ont transféré certaines sociétés en sociétés sportives. Toujours dans l'esprit de la réforme? En fait, la réforme dit que sans société sportive, vous ne participez pas au championnat. Donc, c'est la condition sine qua non. Et donc, pour le faire ainsi, les présidents qui n'ont pas eu la chance de contracter avec des sociétés bien précises, avec des sociétés, pas forcément sociétés d'État, avec des sociétés bien précises, ont fait l'option de créer. C'est prévu par, les tests au niveau de la fédération. C'est prévu que vous pouvez créer une société sportive. Donc, certains présidents avaient déjà des sociétés, et donc, ils ont juste transformé certaines sociétés en sociétés sportives. Et donc, ils sont DG déjà de leur société sportive. Ils sont aussi présidents et d'associations, donc présidents donc, de leurs différents clubs. Donc, ça va être une double casquette. Aujourd'hui, le chef d'État rencontre dans l'après-midi, je crois que le communiqué, nous pouvons l'avoir, rencontre les directeurs généraux des sociétés sportives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le chef d'État devait avoir en face de lui aujourd'hui, en dehors des membres de la Fédération Béninoise de football, c'est-à-dire l'instance fêtière du football européen national, qui bien évidemment doit être à cette rencontre, devait avoir en face de lui 36 directeurs de sociétés sportives, parce que nous avons 36 clubs qui animent la ligue professionnelle. Il se peut alors que ce soit, le chef d'État est peut-être en face de lui moins de 36, parce que dans le rang des membres de la Fédération Béninoise de football, il y a des présidents d'associations, il y a aussi des directeurs de sociétés sportives. On ira voir désormais que Patrice Talon échange avec les directeurs de sociétés sportives et responsables. Ce qui est prévu, c'est Patrice Talon rencontre les directeurs généraux des sociétés sportives. Donc en réalité, 36 directeurs généraux devraient être en face ce soir du président Patrice Talon. Comme je vous l'ai dit, ces questions doivent normalement aller 36 chaises. C'est qu'on verrait que les 36 chaises ne seraient pas occupées parce que certains sont membres de la fédération et sont directeurs généraux de leur société sportive. D'accord. Voilà. Herman Agnembousso, quel regard avez-vous de cette situation bien présentée par Hakimé ce matin?
Bon, quand on entend parler de société sportive, c'est vrai que ce n'est pas, l'idée en elle-même n'est pas une innovation. Hein. C'est, ça rappelle un peu le Postel Football Club, ça rappelle un peu Azaco, ça rappelle un peu les pétroliers. Pendant la Révolution, il y avait quand même chaque société d'État qui essayait de diriger un club. L'innovation ici, c'est plutôt dans l'obligation qui est faite aux directeurs généraux et donc d'accompagner ces différents clubs sportifs là, je crois. Et donc il y a que le joueur, quand il va s'entraîner ou quand il va livrer une rencontre et qu'il revient à la maison, il ne se contente plus de prendre du gari, de délayer du gari et de, avec un peu de cucli et de ressortir pour aller vaquer des occupations. Je pense qu'il y a plus de suivi désormais dans cette carrière. Il y a même des sociétés sportives qui recrutent des joueurs, je sais pas, à côté, ou des joueurs qui dénigent un peu le mercato qui monte à ce niveau. Donc je pense que pour ma part, c'est l'initiative, elle vient pour nous parce qu'il y a une volonté politique qui accompagne ça désormais. Maintenant, quant à ce que directeur généraux, directeur sportif, il y a une confusion. Je pense que la rencontre de ce soir, pour ma part, sera une rencontre de vérité. Mmh. Pour que la situation soit réellement présentée à Patrice Talon, pour qu'il sache dire à ce directeur-là si c'est vraiment l'idée qu'il avait en retournant à cette pratique-là qu'on a vécue pendant la Révolution, mais en y apportant une touche particulière. Est-ce que c'est l'idée qu'il a voulu, qui est aujourd'hui mise en œuvre? C'est vrai qu'on entend parler de coton au sport, on entend parler de l'autopopo. Et l'avantage ici, c'est qu'il y a assez de stades qui sont construits dans le Bénin et qui aujourd'hui permettent à ces clubs-là de pouvoir s'épanouir. Je pense que l'un mis dans l'autre, cette rencontre était utile, était indispensable pour faire un peu le point de tout ce qui a été fait jusque-là. Et ça, la confusion se répand entre directeurs généraux et directeurs sportifs. Les clubs ont des directeurs sportifs. Oui, oui, oui. Eux, ils ont un rôle tout particulier. Oui, technique, c'est exactement. Mais le directeur général, il est directeur général de la société sportive, bien évidemment. Aujourd'hui, comme je le présentais tout à l'heure, c'est que, eh bien, on a directeurs généraux et présidents qui sont confondus parfois en une même personne. Oui, c'est-à-dire, il est président de la société. Il est le directeur maintenant. Il est le directeur de la société sportive. En thème clair, on prend le pardon de la LNB. Zosu Gaston, il est directeur. Il est directeur général de la société. Il est président du club. Président du club. La société sportive a désormais un directeur. Mmh. Par le passé, il y avait je dirais, un en deux. D'accord. Mais cette fois-ci, la LNB, ils ont réussi à faire la démarcation. Il y a un directeur général de la société sportive qui existe. Oui. Et puis Gaston Zosu reste le président de l'association sportive. Non, en fait, on parlait tout à l'heure de la construction de des stades dans nos communes. C'est ça qui fait que au cours de la rencontre, vous aurez des maires de certaines communes qui ont été également invités. Parce que dans l'invitation média de la DICOM, c'est prévu que le chef de l'État va rencontrer les présidents, n'est-ce pas, de ces clubs-là. Mais il y a également les maires de certaines communes, sans doute les communes qui abritent, qui sont bénéficiaires de ces stades. On en a 22, en tout cas, annoncé. Donc ces maires également seront présents. Ce qui est intéressant, c'est de voir que notre discipline sportive de façon globale mérite, je dirais, une forme de toilettage. Et les acteurs qui occupent, je dirais, une certaine responsabilité sont attendus pour finir avec les questions de querelles liées, je dirais, au leadership, à l'occupation d'un poste ou d'un autre. Et que ce matin, il faut s'interroger sur ce que Patrice Talon aura à dire, n'est-ce pas, à ses présidents d'associations. Certainement qu'à son niveau, il y a un point qu'on lui a fait, de la gestion qui a été faite jusque-là, par exemple des sociétés sportives ou encore des stades, les 22 stades qui sont construits un peu partout. Non, on peut prédire, n'est-ce pas, que cette rencontre n'est pas anodine. La rencontre n'est pas anodine. Ça sous-entend qu'on est parti d'un constat. Il y a un point qui a été fait au président de la République et sans doute il n'est pas satisfait de ce que les instructions des ministres et autres produisent comme effet et qu'il faille que de la voix de l'autorité, il puisse donner les injonctions qu'il faut, les orientations qu'il faut et de manière à ce qu'on les prenne en compte et que la satisfaction attendue au bout du fil, n'est-ce pas, au bout du rouleau, puisse être atteinte. Parce que comme je vous ai dit, on a bien de
discipline qui mérite d'être rehaussée de manière à ce que le Bénin, sur certaines disciplines sportives, puisse se hisser au firmament, sinon se retrouver sur le toit du monde. Le football, par exemple, les disciplines comme l'athlétisme, le cyclisme, bien d'autres. Donc, ces différents présidents de clubs et présidents d'associations qu'on veut rencontrer aujourd'hui, je suis rassuré de ce que les directives du chef de l'État iront dans le sens d'une certaine amélioration d'abord de l'existant et une projection sur le futur. Il importe certainement qu'un état des lieux soit fait, parce que la mise en œuvre de cette réforme, elle date de 2 ans. On a déjà fait l'expérience de 2 années de championnat professionnel. Christian, c'était déjà la saison 2020-2021 avec le sacre de l'Auto Football Club. Il y a 2021-2022 avec le sacre de Coton Football Club. Et puis cette fois-ci, eh bien, on a entamé la 3e saison de la Ligue professionnelle, avec bien évidemment des innovations qui ont été introduites et qui restent beaucoup plus des éléments sur lesquels on peut véritablement faire le débat. Ce n'est pas évident que le débat soit fait peut-être à la rencontre de ce soir, mais d'une manière ou d'une autre, il y a que bien de choses méritent d'y être apportées pour que véritablement on puisse, impacter la performance de nos équipes nationales. Parce que là, depuis 2 saisons déjà, on fait un championnat zonal avec 36 clubs engagés. De part et d'autre, 9 par zone, et puis bien évidemment par la suite on voit ce que ça donne. Ça fait un peu trop long en même temps. C'est que, eh bien, alors même que certains estiment que ça a comme répercussion la possibilité à certains clubs d'avoir beaucoup plus de compétition dans les jambes, mais c'est qu'on constate que, eh bien, sur le continent, c'est-à-dire quand on prend part aux compétitions continentales, ce sont même les clubs qui sont classés 14e, 13e, 8e, 5e qui battent nous, nos champions, nos vice-champions au plan national. Donc là aussi, je crois que ça mérite qu'on puisse dire un mot là-dessus. De toute évidence, directeur général et rencontre avec le chef d'État, l'idée au départ, Christian, c'est de véritablement permettre, je dirais, aux différents acteurs de vivre de leur profession. C'est pour ça qu'on parle de professionnalisation. Tous les joueurs, depuis il y a 2 saisons, eh bien, ont comme activité fondamentale le football. C'est des personnes qui ne vivent que de ça. Seulement que nous constatons qu'aujourd'hui, Christian, eh bien, ils sont bon nombre de ces joueurs qui continuent toujours par broyer du noir. 2 mois de salaire impayé, 3 mois de salaire impayé. Une grosse injustice en termes, je dirais, du traitement de ces différents joueurs, parce que les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Un club qui n'a pas de société sportive, en face d'un club qui a une société sportive, qui se trouve être une société d'État, vous voyez déjà la différence. Et quand on voit qui sont très bien organisés, bien structurés, grassement payés, très bien payés, qui se tapent des salaires de 200, de 300, de 400 000 francs CFA, ça se paye désormais au plan national, qui font des signatures de contrats, je dirais quoi, de 1 million, 2 millions, 3 millions, désormais c'est effectif. Seulement que pendant que certains signent 1 million, pendant que certains perçoivent 200 000, 300 000, 150, 140 et consorts, il y en a qui continuent à gagner peut-être 80. Il y en a même qui ne sont pas payés depuis 3 mois. Nous sommes en décembre et ils ne vivent que de ça. C'est leur profession. Je crois qu'il va falloir forcément évaluer la gestion qui est faite de ces différents clubs, donc à travers les différentes sociétés sportives, pour voir comment est-ce qu'on redistribue peut-être, je dirais, la cagnotte, si je puis ainsi m'exprimer, ou bien comment est-ce qu'on fait pour que véritablement il n'y ait pas un gros écart en termes, je dirais, de traitement entre certains joueurs et certains autres joueurs. Parce qu'en le faisant ainsi, il n'y a rien à faire. Les clubs les plus fortunés vont toujours finir leader, champion de Bénin. Forcément, mais en termes d'impact sur le continent, bien, on n'aura pas ce que nous voulons. Nous avons déjà fait l'expérience. L'Auto, la saison suivante passée. Coton, la saison dernière. Et aujourd'hui, quand on fait le point au niveau, je dirais, de la phase aller de ce championnat de Ligue professionnelle, eh bien, on se rend compte encore que ce sont presque les mêmes qui contrôlent encore les débats. Donc, je crois qu'il se pose véritablement un problème d'échange et de bilan à faire de cette expérience de réforme du secteur du sport, notamment la question de la professionnalisation, afin que véritablement, eh bien, les différents clubs puissent se retrouver dans la dynamique de faire impulser, de faire bénéficier, je dirais, aux différents acteurs, ce qui mérite d'être mis à leur disposition. Autrement, eh bien, ça fait un peu. Vous voyez venir alors le beau jour après les échanges, les discussions ou les différents acteurs avec le chef, avoir réussi à trouver le modus. Non, s'il ne se prononce pas sur la gestion des sociétés sportives,
et qu'il va s'agir, parce que là, on aura fait bien de rappeler qu'à cette rencontre, il est convié les maires de certaines communes, oui. 22 communes abritent les 22 stades qui ont été construits. C'est un investissement. Les stades sont attribués à ces sociétés sportives. C'est un investissement faramineux. Oui. Et jusqu'à présent, ce sont les sociétés sportives là qui gèrent les différents stades. Oui. Visiblement, l'entretien. Exactement. Visiblement, en invitant les maires, on a l'impression qu'ils veulent désormais confier aux mairies la gestion de ces différents stades. Si c'est le cas, ça va constituer un gros problème. Parce que là déjà, allez voir les artères qui sont, je dirais, les voies asphaltées qui sont déjà dans un état pas possible dans certaines communes. Et c'est ça compliqué. On va confier les stades aux mairies. Ça pose un problème parce que là, il faut craindre que les stades ne fonctionnent, parce que dès que la mairie prend les différents clubs qui utilisaient déjà ces stades, vous êtes obligé de payer pour l'utilisation de ces différents stades. Si pas extraordinaire, le maire de la commune et le président du club n'embauchent pas la même trompette, ça va poser problème. Quand la mairie aura des sollicitations de fêtes ou de manifestations sur les stades, alors même que les différents clubs doivent s'entraîner, doivent livrer des matchs, il y aura problème. Il y a tellement de petits problèmes qui finiront par devenir de grands problèmes dans la gestion des stades. Si entre-temps, bref, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais quand on en arrivera à vouloir mettre à disposition ou confier aux mairies la gestion de ces différents stades, je crois que ça plombe véritablement la réforme et la performance de nos différents clubs. Oui, je pense que d'abord, primo, c'est d'abord d'essayer de régler un peu cette situation de fossé, hein, de grand fossé salarial pour les joueurs qui sont embarqués dans cette aventure, du moins noble. C'est de faire en sorte que ceux à qui on doit 2-3 mois de salaire pour ceux qui jouent au football, qu'on puisse régler leur situation. Parce que c'est le moment pour ces directeurs de société sportive là de pouvoir dire les vérités telles que c'est telles que c'est au chef de l'État. C'est vrai que quand on parle, vous faites rire. Allez-y. Ensuite, puisque si l'initiative pendant la révolution a joué, c'est parti de là. C'est parti du fait que des joueurs, en ce moment-là, je rappelle brièvement que des joueurs, je me rappelle encore du cas d'un certain Amavi Rémi, qui était joueur au CEU Saint-État, qui était le gardien de but CEU Saint-État, des Faucons d'alors, et qui a pu jouer le championnat professionnel avec Postel, et qui après a été joueur de l'équipe nationale du Bénin et tout, et pour Junior, au point de participer à cette CAN. En fait, c'est que ça fait un peu la promotion de certains joueurs. Donc, si on laisse tomber ce fleuron-là, cette initiative de l'État, c'est pas bon. Il faut mettre les pendules à l'heure. Ensuite, pour ce qui est des stades, je pense que c'est vrai, quand vous faites un peu un tour au stade de Ouida, vous n'allez pas me dire que je fais un peu du nombrilisme, ouais, c'est ce que vous connaissez. J'ai été aussi au stade d'Adati, mais vous constatez d'abord que pour accéder au stade de Ouida, je ne sais pas s'il y a un projet en cours pour faire une voie, l'accès qui permet d'accéder à ce stade. Sinon, quand il pleut, c'est difficile d'aller sur ce stade. Ensuite, j'ai l'impression que ceux qui ont fait ce stade veulent que les gens, quand ils vont regarder suivre les matchs de football, qu'ils se munissent de loupes, parce que la distance entre la tribune et le stade, je ne sais pas si c'est comme ça se fait ailleurs, mais c'est qu'il y a au moins 100 mètres qui séparent la tribune de la pelouse. Je ne sais pas si c'est fait à dessin. Je ne sais pas trop quels sont les éléments qui ont en miniature. Donc, il faut avoir une loupe et identifier. Je ne sais pas. Et ça donne du boulot aux reporters. C'est ça, justement. Donc, vraiment, je ne sais pas si c'est fait. De toute façon, c'est une occasion de regarder ces choses. D'accord. Merci, cher monsieur. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Il nous a invité beaucoup. C'est un aspect que c'est vrai, Evan a mis de la bonne humeur sur le plateau. Mais Hakime soulignait un problème, les problèmes liés aux questions de leadership dans la gestion, en ce qui concerne donc la gestion. Si elle est attribuée, n'est-ce pas, aux mairies, ce que cela peut apporter comme impact, ouais. Si on confiait la gestion également
également aux présidents de clubs ou aux associations ce que sera aux sociétés sportives ce que sera aura comme effet. Je pense que il faut qu'on puisse créer un couloir de courtoisie, un couloir de responsabilité, parce que c'est vrai, quand on confie la gestion aux mairies, elles peuvent, ça c'est pas pour jouer les oiseaux de mauvaise augure, elles peuvent fermer les yeux à des moments donnés sur ce pourquoi concrètement les stades sont dédiés. Parce que les stades ordinaires ou les terrains ordinaires que nous connaissons dans nos mairies, c'est la plupart utilisé pour des fêtes, les expositions de ci ou de ça, parce que la mairie, les mairies visent l'objectif de, d'encaisser, d'engranger des sous. Et donc, vous verrez le volet beaucoup plus commercial qui ira dans ce sens. Mais dans un cas comme dans l'autre, une chose est sûre, on verra de ce que la rencontre avec le chef de l'État produira comme effet et comme résultat. Il faut juste souhaiter que ces aspects-là soient pris en compte de manière à ce que le juste milieu soit retenu. Si c'est aux mairies qu'on confie la responsabilité, il faut forcément qu'il y ait un cahier de charge. Que le cahier de charge soit clair et qu'on sache que prioritairement, n'est-ce pas, ce sont les disciplines sportives qui sont dédiées à ces stades plutôt que les fêtes et les animations politiques. Avant qu'il ne boucle sur le sujet, je pense que ce n'est pas une bonne option de vouloir confier la gestion de ce stade-là aux mairies. Parce que vous imaginez, je prends un cas banal, le directeur de la société sportive, il est d'un parti politique donné, et le maire est d'un autre parti politique. Et les deux n'embouchent pas la même trompette. L'autre a envie, l'un a envie de montrer que l'autre ne fait rien, il n'a rien foutu pendant qu'il était directeur de ci et de ça. Il fera en sorte que, je me rappelle la fois dernière, des gens devaient organiser le championnat au stade de Ouida, mais on leur a dit attention, le jour que vous avez choisi là, c'est le jour que Coton Sport fait ses entraînements sur le stade, donc ça ne peut pas être organisé ce jour-là. Mais les gens obtempérés sont allés organiser le championnat ailleurs. Ça aurait été d'autres cas, on aurait dit non, c'est nous qui gérons le stade, foutez le camp d'abord, on va faire ça. Et donc, je pense qu'il vaut mieux trouver la vraie solution, à la limite même créer, je ne sais pas, si c'est une agence qu'il faut créer l'agence, ou créer, je ne sais pas, une structure qui s'occupe de la gestion de ces stades-là, c'est mieux, plutôt que de vouloir comprendre ça. Différents conflits. Bon, maintenant, qui vont plomber l'initiative. Maintenant, je laisse le spécialiste sport maison. Ce que Diamant est pertinent, moi je pense que les mairies ont déjà trop de choses à gérer, et que d'avoir souvent confié encore la gestion d'un stade. Et les stades ont été construits à grands frais. L'entretien des stades, il faut le confier à des spécialistes. Et aujourd'hui, les sociétés sportives ont travaillé à avoir de la main d'œuvre capable de gérer et d'entretenir convenablement les différents stades qui ont été construits. J'estime et je propose d'ailleurs qu'on évalue ce qui a déjà été fait par ces sociétés sportives en termes de gestion de ces différents stades. S'il y a des choses à mettre à l'endroit, qu'on les remette à l'endroit, parce que les sociétés sportives également travaillent véritablement. Si l'infrastructure n'est pas bien utilisée, les sociétés sportives en répondront bien évidemment. Et en même temps, c'est qu'ils ne voudront pas que l'infrastructure ne soit pas bien entretenue, parce que ce sont leurs différents joueurs qui sont bénéficiaires, je dirais, de cette infrastructure-là. Donc, il y a de la main-d'œuvre au niveau des sociétés sportives. Il y a que les sociétés sportives sont conscientes de l'entretien que méritent d'avoir ces joueurs qui ont été construits, je dirais, à grands frais. Et donc, je ne pense pas, sauf de m'être trompé, qu'il n'y ait pas, je dirais, des éléments qui concourent véritablement à continuer par laisser gérer ces différents stades par les différentes sociétés sportives. Maintenant, aller en inviter les maires pour prendre la gestion de ces stades, moi, franchement, je crois que c'est l'inspiration. Elle n'est pas trop bonne. Peut-être qu'on les a invités aussi pour les informer de ce que, bon, c'est pas eux qui vont gérer. Non, ils savent. Allez, merci monsieur. On va enchaîner. Je vous laisse souffler quelques secondes avec la pub. J'ai une nouvelle sensationnelle. La fête continue avec Canal+. Bon anniversaire. En ce moment, le décodeur est à 5000 francs dès Access. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec le Bachelor. Ah, mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Je veux dire à la soirée de Kinshasa.
Je l'ai enfin trouvé. Ou suivre les plus grands matchs internationaux avec l'ORTB et les débriefer avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal Plus à 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Avec les soucis de vol et intrusions intempestifs. Bennett Racking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle, unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Je le disais, il nous a rejoint entre-temps. Victor Bocor, bonjour. Bonjour à Dadidja, bonjour à tout le plateau. Bonjour, bienvenue. Vous êtes administrateur électoral, on va parler donc élection, on va parler législative. Et je dirais que nous y sommes, puisque dans quelques heures, eh bien, la campagne électorale sera officiellement lancée par la Commission électorale nationale autonome, SENA. Ça va durer 15 jours, et donc jusqu'au 6 janvier prochain à 0h. À quelques heures du lancement de cette campagne électorale, on voit un peu que les choses se mettent en ordre du côté de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il y a une charte de bonne conduite qui lie les partis politiques à cette institution. Mais avant, les partis politiques seront à l'épreuve de cette campagne électorale, de nos discussions. On parlera donc de comment cela va se dérouler. Certainement qu'au niveau des états-majors des différentes formations politiques, on a déjà un calendrier déjà bien établi, de même qu'au niveau des différents acteurs, c'est-à-dire des candidats sur les différentes listes. Alors, comment voyez-vous venir à cette campagne électorale, Wahab Ali Para, à quelques heures? Non, une campagne électorale bien animée, certainement, parce que cette fois-ci, je pense que les attentes de beaucoup seront vraiment atteintes. En ce sens que en 2019, parce que malheureusement, on est obligé de faire ce petit retour, n'est-ce pas, en 2019, pour dire qu'il n'y a pas eu cette grande satisfaction en raison du nombre de partis politiques qui étaient en lice en son temps. Cette année, pour ne pas dire pour l'année 2023, on aura plusieurs partis. Ça sous-entend que plusieurs obédiences politiques, plusieurs colorations politiques seront donc affichées et que chacun ira à la conquête des électeurs à sa manière, mais de quelque manière que ce soit, une manière qui ne va pas affronter la paix, une manière qui ne va pas créer de brutalité. Parce que la référence que nous faisons de 2019 a été désagréable et je ne pense pas que quelqu'un ait d'intérêt, n'est-ce pas, à ce que cela se reproduise. Et quand on continue de faire de référence en 2019, les mécontentements étaient liés au fait que certains n'ont pas participé. Ça sous-entend que on peut envisager cette campagne et ces élections de 2019 des élections apaisées et beaucoup plus festif parce que pratiquement tout le monde participe. Ça sous-entend que on n'a plus de raison de créer des manifestations violentes, de tenir des propos incendiaires qui seront donc de nature à créer des troubles à l'ordre public. Mm-hmm. Voilà. Victor Bocor, on vous écoute. Vous qui êtes administrateur électoral, quel regard avez-vous sur ce qui s'annonce devant nous? Une très belle fête, il faut le dire. Mmh. Et imaginez déjà que c'est 218 1 x 7 acteurs répartis sur toute l'étendue du territoire national qui seront en action. Mmh. Donc vous y voyez un peu un beau monde qui bouge dans tous les sens. Ne serait-ce que pour aller présenter justement le projet de candidature. Parce que la loi le dit si bien, dans cette période-là,
Il s'agit en fait des réunions électorales, oui. au cours de laquelle on va justement parler du projet de société, présenter un peu ce que nous voulons faire pour la nation. Et donc, tous ces acteurs-là seront déployés sur le terrain. 1526. 1526, c'est beaucoup. 218 fois 7. Oui, fois 7. 1526, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Et contrairement à 2019, oui. s'il faut aller un peu en arrière, on en avait moins. 83 fois 2. Donc voilà. Non, cette fois-ci, on va assister à une très belle fête, je le dis. Fête parce que la période, d'abord, elle s'y prête. Les gens n'iront pas avec des rancunes, ils iront avec de la joie au cœur. Et c'est ce que nous attendons. Écoutez, il était attendu que, comme dans une foire, des acteurs viennent s'exprimer. Il était attendu que les uns et les autres aient une diversité d'offres politiques. Et chemin faisant, cette partie politique s'offre à nous. Et d'ici 01, ces derniers, ils iront donc à l'assaut des électeurs. C'est ce pourquoi je dis que ce sera une belle fête, parce que chacun voudra justement défendre et vendre son offre politique. Justement, l'offre politique, ce sera quoi? L'offre politique du candidat ou l'offre politique de la formation politique? C'est là que se résume véritablement la vraie question, Hakimi. Non, je crois que c'est une offre de législature du parti politique. Du parti. Il ne pas s'agir du candidat pris une titre personné. Le candidat va défendre les couleurs d'un parti politique. C'est le parti qui a une offre à proposer aux populations. Et à travers l'offre, on voit bien évidemment, je dirais, certains éléments peut-être subjectifs, mais qui pèseront lourd dans la balance, et la qualité de la personne qui est en face. Et donc, je crois que ce qui prime, c'est le parti. Et c'est d'ailleurs au nom du parti que certains se sont vus, entre guillemets, lésés, au profit de certains qu'on pense véritablement bien défendre et porter les idéaux du parti politique. Donc, il va s'agir d'une offre de législature du parti politique et non du candidat qui est en course pour les législatives. Ce sont les partis qui sont en course. Oui. C'est pour ça qu'on a dit il y a 7 partis. On a parlé de 7 partis qui sont engagés. On n'a pas dit 109 candidats, non. On ne peut même pas rencontrer les 109. Quand on veut rencontrer, on rencontre les 7 partis politiques. Au niveau de la AXE, c'est 7 partis. Au niveau de la Sénat, c'est 7 partis. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il y a 109 sièges que les 7 partis vont enlever à l'issue des législatives du 8 janvier prochain. Donc, c'est une offre de législature des partis politiques qui sont engagés pour le compte de cette élection. Voilà. Alors, on parfait, Agnès Boussou. On va revenir un peu sur ce qui sera fait, sur ce qui sera dit sur le terrain politique, puisque ça va forcément se bousculer, les candidats qui iront à l'assaut des électeurs. On va chercher maintenant à voir quel est le lien qui doit unir un candidat à un électeur. Oui, le lien qui doit unir le candidat à l'électeur, c'est ce lien, vous avez fait la question tantôt, Hakimé, c'est ce lien entre le parti politique et l'électeur, entre le parti politique et l'électorat, pour dire les choses telles quelles. Parce que justement, l'individu, c'est-à-dire le candidat, pris une tutu personnée, ne se représente pas, il représente les intérêts d'un parti politique. Donc vous pensez que l'électeur doit voir le candidat, à travers le candidat, la formation politique qu'il porte. Parce que justement, nous avons les réformes post-Patrice Talon, les réformes ont fait en sorte que, soit désormais, que nous ayons des partis forts, non des individus forts. De sorte que, comme l'a dit également Hakimé, il y en a qui n'ont pas été positionnés, pas parce qu'ils ne l'ont pas voulu, mais parce que le parti n'a pas voulu qu'ils soient positionnés. Donc je pense que l'offre de législature, d'abord, doit tenir compte de ce que le parti offre comme axe de réflexion pour la 9e législature. Je pense que c'est vrai, quand ils vont au Parlement, il ne s'agit pas pour un individu ou pour un député de défendre sa cause personnelle, mais d'abord de défendre une cause parce que le parti l'a voulu. Donc je pense que c'est l'un mis dans l'autre. L'offre de législature, c'est d'abord ce que le parti décide de faire de son député. Ensuite, c'est que entre l'électeur et le député, on doit faire en sorte que le député soit présent, qu'il puisse rencontrer l'électeur. Parce que nous n'avons pas eu une mandature le candidat soit présent. Parce qu'on n'a pas eu une vie politique très animée. Oui. On a vu des députés qui sont restés au Parlement. Il y en a même sur les visages desquels on n'arrive pas à porter, à afficher un nom clairement. Vous avez eu cette difficulté? Oh, oui, Jean. Il y a des députés, quand vous les voyez, on vous dit celui-là est député, à part le macaron qui est dans sa voiture et même quelquefois l'écharpe qu'il porte et tout. On ne le connaît que trop. Donc, je pense que ça, c'est le moment pour les électeurs de pouvoir échanger avec des députés.
des députés qui sont déjà, qui sont là et qui veulent revenir, mais seulement pour les électeurs d'échanger avec les candidats parce qu'ils ont en main, ils ont en tête quelque chose qu'ils proposent ou de nouveau ou pour renforcer ce qui a déjà été fait. Mmh. On vous écoute, oui. Victor Bocor. Oui. En fait, sur l'offre politique, il faut dire que c'est comme si nous étions dans un marché où chaque parti politique vient exposer justement ce qu'il a comme produit. Et tout dépendra de la manière dont ce parti politique est habillé, oui, est présenté aux différents électeurs. Alors, cela partira des éléments de langage que le parti politique peaufine. Mais cela dépendra également de quelle est l'image justement que le parti veut se donner au travers de ses représentants qui vont à la conquête de l'électorat. Pour dire en fait que les partis politiques mettront en avant pas forcément des individus. Et là, nous aurons le temps de le suivre sur toute la campagne. On pourra revenir pour tirer des leçons. Parce qu'à l'aide du système partisan, ce qu'il faut mettre auparavant, ce n'est pas des acteurs, mais c'est le parti politique. Comment est-ce que ces acteurs-là, comment est-ce que ces partis politiques vont projeter justement leur vision au cours de ces 15 jours qui s'offrent à eux? Est-ce qu'ils mettront auparavant leur logo? Ou est-ce qu'ils mettront auparavant des individus? Tout dépend de comment est-ce que l'offre est habillée. Justement, est-ce que vous pensez que les individus réussiront à se départir, à vendre l'image du parti à travers leur propre personne? Parce que vous savez que dans certaines régions, dans certaines circonscriptions, il n'y a que l'image de certaines personnes ne passe pas. Est-ce que cela ne va pas porter préjudice à la formation politique? Est-ce que les acteurs qui seront devant réussiront à mieux vendre cette formation politique? Tout dépendra du maillage qui est fait. Oui. Il y aura forcément des zones dans lesquelles c'est le logo du parti qu'il faut mettre en avant, parce que les gens ne retiendront que le logo, ils ne connaîtront pas les différents acteurs. Mais par contre, il y aura dans d'autres circonscriptions électorales où il faudra mettre auparavant des figures de proue qui, eux, à un seul, des figures de proue qui, à un seul, arrivent justement à donner une certaine image au parti. Et donc, quelle que soit la circonscription, c'est les déterminants de cette circonscription-là qui vont compter. Si c'est des acteurs politiques qui sont prépondérants et qui ont une certaine image dans une circonscription électorale, autant mettre ces dernières personnes-là auparavant pour attirer l'électorat. Mais si vous retrouvez dans une zone où les candidats ne sont pas véritablement connus, mais où le parti politique a une certaine résonance, on mettra donc au devant de la scène le logo du parti, tout ce que le parti aspire à faire. Mais ceci dit, il reviendra à faire un bon mélange entre le logo et les acteurs qui sont positionnés sur la liste pour aller à la conquête de l'électorat. Oui, okay. Non, mais oui, ce que dit Bocor est pertinent. Ça va se jouer sur des deux déterminants et lequel passe. On a déjà fait l'expérience à l'occasion des municipales dernières. Il y a des maires qui ont été élus, pas parce que eh bien, ils étaient les meilleurs, mais parce que eh bien, le parti offrait la possibilité d'une certaine espérance. Il y a des maires qui ont été élus, pas au nom du parti, mais parce que le maire avait lui-même déjà impacté la communauté. Et les populations se disent, c'est maintenant ou à jamais l'occasion pour nous, je dis, de retourner à l'ascenseur, à ce fils qui avait déjà investi suffisamment dans les questions de développement de sa localité. Donc, ça va se passer encore presque un peu de la même manière à l'occasion de telles législatives-là. Parce qu'il n'y a rien à faire, je crois que nous l'avons suffisamment abordé sur le plateau. Il y a des personnes qui ont été positionnées sur certaines listes qui ne sont peut-être pas les bienvenues. Parce que oui, la population espérait voir d'autres personnes positionnées. Comment est-ce qu'on fait pour qu'au niveau de ces régions-là, qu'on puisse véritablement avoir une population qui ne s'agit pas de personnes, mais qu'il s'agit de partis politiques? Donc le discours tiendra, je dirais, dans cette optique-là. Ailleurs, bien évidemment, on vous dira que si ça n'était pas, eh bien, tel candidat que vous avez positionné, eh bien, votre liste ne gagnerait et ne récolterait rien. C'est pour ça que certainement, il y a des partis politiques qui ont dû faire l'option de faire appel à certains candidats qui sont beaucoup plus techniciens sur le terrain. Vous avez vu, ils sont nombreux qu'on a sorti de l'administration pour positionner, parce que certainement on se dit qu'en les positionnant, ils avaient déjà, de par leur manière de faire, impacter leur communauté. Justement. Et donc les populations préfèrent les avoir comme candidats pour que la liste soit tirée vers le haut. Ne vous surprenez pas qu'après le 8 janvier, qu'il y ait des personnes qui aient été candidats élus
et qui ne s'y durerait pas parce que leur mission c'était de tirer la nouvelle haut. Justement. Et après mission, déjà mission accomplie, eh bien, on les appelle pour pouvoir continuer ailleurs et donc on met à leur place peut-être des suppléants qui auraient été normalement les personnes qu'on aurait voulu positionner. Mais en les positionnant en tant que titulaire, ça pouvait tirer le parti vers le bas. Donc je crois que c'est tous ces éléments qui ont été véritablement bien pensés pour que la liste produise ce que nous avons. Donc sur le terrain, eh bien, les différents acteurs et les différents partis tiendront compte, je dirais, des éléments qui ont concouru à la confection de la liste pour pouvoir convaincre les populations sur le terrain de leur offre de législature. Alors avec cette réforme du système partisan hein, que nous continuons toujours d'expérimenter, allons nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que le comportement électoral a véritablement changé chez nous au Bénin? Sommes-nous en présence d'un nouveau type de candidat ou en présence d'un nouveau type d'électeur? C'est-à-dire, est-ce que pendant la campagne électorale, est-ce que nous avons en face des candidats qui viennent véritablement convaincre l'électorat avec le projet de ce c'était où le projet de législature, puisqu'on parle des élections législatives, le projet de législature du parti politique, où sommes-nous en présence des candidats qui viennent autrement convaincre les électeurs avec ce que vous savez, de l'argent, Rabalibara. C'est ce qui est souhaité, aller convaincre les électeurs avec le projet de société ou le projet de candidature, le projet de législature. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Parce que quand on écoute la plupart du temps les candidats sur le terrain, que ce soit par le passé ou dans le présent récent, ce qu'on note, c'est que le candidat lui-même, on dirait qu'il ne maîtrise pas sa mission. Il fait des promesses de ce qu'il aura à réaliser, et de ce qu'il aura à faire. Alors que quand vous regardez les tests, ce que les tests donne comme attribution, n'est-ce pas, à la fonction qu'il veut occuper en venant solliciter les suffrages des populations, tout ce qu'il a cité comme promesse n'est pas inscrit dedans. Et qu'on se demande quelle est la faisabilité. Donc, au finish, vous verrez que ceux qui remplissent les bâches pour écouter les candidats, ceux qu'on rencontre dans la nuit profonde, hein, ceux qu'on rencontre pour les porte-à-porte et autres, le résultat final, c'est ce qu'on leur dépose. Il y en a quand ils se lèvent, ils disent de vérifier là où ils sont assis ou bien de ne pas bouger tout de suite. Donc, l'essentiel, c'est la liste. Oui, la liste. Oui, vous voyez. Donc, maintenant, il y a une question que vous faisiez tout à l'heure à Herman Aniamboso entre le lien qu'il doit avoir entre l'électeur et le candidat. Le constat qu'on fait, c'est que le lien au départ, n'est-ce pas, est un lien souvent solide entre l'électeur et le candidat. Mmh. C'est au fil du temps que les choses commencent pas à s'effriter. Pour dire que le candidat qui vient, qui a des propos mielleux, qui fait toutes les promesses et autres, il a l'attention et tout le sentiment de l'électorat, mais une fois l'objectif atteint, il y en a qui ne retournent même plus à la base, ce qui a motivé certains à dire que les promesses électorales, n'est-ce pas, n'engagent que ceux qui croient. Donc ça n'engage plus ceux qui le font, qui font ces promesses, mais beaucoup plus ceux qui croient à ces promesses. Et donc c'est à ce niveau qu'un véritable problème se pose. Maintenant, dans certaines circonscriptions électorales qu'on aura à parcourir au cours de ces campagnes, on peut y découvrir des candidats, n'est-ce pas, qui sont bien connus et bien aimés dans leur circonscription électorale, dans leur quartier, leur arrondissement et autres, qui peuvent vraiment hisser haut leur liste. Par contre, il y a des têtes, n'est-ce pas, qui ne sont vraiment pas connues, qui sont un peu à l'image de la diaspora telle qu'interprétée par d'autres, donc des inconnus au bataillon dans leur circonscription électorale, mais que les partis politiques vont travailler à hisser. Parce que dans certaines localités, il faut reconnaître, la majorité sont analphabètes. Mmh. Il y a des élections, vous allez voir sur les réseaux sociaux, une image qui circule, c'est un vote de 2020 pour les élections
communale, pour les élections communales, et ça doit être à l'EPP de Kadiaoun, là où il y a la passerelle, la passerelle de Kadiaoun, où la dame, quand on lui demande, parce que c'est une personne d'un certain âge, elle disait Passabandé. Je crois que ça fait Baobab. Ça fait Baobab. Donc, au fond, pour les candidats qui sont alignés derrière le comment dire, la liste Baobab, je ne sais pas, il s'agit pour elle, en tout cas, d'aller voter Baobab. Donc, parfois, n'est-ce pas, le parti politique, hein, l'image du parti, le logo du parti est beaucoup plus, incite beaucoup plus, n'est-ce pas, les électeurs. C'est un déterminant, non négligeable. Oui, en termes de communication politique, cette histoire de Passabandé là, ça, tout ça aussi son sens. Bon, de toute façon, on va en parler après. Mais je pense que si on veut faire un peu le point, si on veut analyser le lien entre les candidats et les électeurs, il faut d'abord partir du profil des candidats. Oui. Des candidats qui sont en liste en ce moment. Nous avons dans le lot des gens, des députés, d'anciens députés, des gens qui ont déjà fait 2-3 législatures et qui ont déjà un certain contact avec leur base. Il y a dans le lot, il y en a dans le lot qui n'ont fait qu'une seule législature, mais qui ont réussi quand même à impacter leur région, d'accord. Et dans le lot, il y en a également qui n'ont fait qu'une législature, mais qui sont inconnus, qui sont vraiment inconnus de leur situation parce que ayant bénéficié d'autres choses pour être au Parlement. Et là, Hakimé a rappelé qu'il y a des gens qui, directeurs de sociétés ou cadres techniques, ont réussi quand même à impacter leur zone, à avoir un capital sympathie avec la population. Et donc, ce qui a fait que les partis les ont positionnés pour tirer la liste vers le haut. Donc, c'est quand on fait le point, c'est ça. Mais il y en a également qui ont été positionnés, inconnus au bataillon, mais qui doivent travailler. Est-ce que ceux-là sont prêts à travailler? Est-ce qu'ils ne peuvent pas travailler? C'est là la question. La pré-campagne nous a permis, quand on a de l'information par-ci par-là, de constater que nous avons en face de nous des populations qui disent attention, l'heure a sonné et vous êtes de retour. Un peu comme par le passé où le député pouvait décider d'être député et donc d'être candidat et tout, il va juste demander le suffrage, demander aux électeurs de voter pour lui. Non, il faut que les candidats puissent expliquer désormais à ces électeurs-là, à ces militants qu'ils vont voir, que la donne a changé. Parce que jusqu'à la veille du dépôt des dossiers, il y en a qui ne savaient pas encore s'ils seraient candidats sur des listes. Est-ce pour autant sortir pour aller rencontrer les populations, auquel cas le parti dira encore oui, vous faites des opérations de charme pour nous obliger à vous positionner? Non, je pense que les acteurs politiques ont compris le bien fondé de la réforme sympathisant. En allant voir les populations, il faut leur expliquer que la donne a changé, que ce n'est plus comme entre-temps où je pouvais me décider moi-même d'être candidat et donc depuis déjà 3-4 ans, je dois savoir que je veux être député et tout, je fais tout ce que je dois faire. Non, la donne a changé. Tout se jouera également au niveau de la possibilité pour les députés d'être vraiment des porte-voix de ces militants-là. Parce que les militants, quand vous les entendez, ils veulent que ceux qu'ils désirent au Parlement puissent vraiment porter les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Ce n'est pas aller s'asseoir là-bas, aller dormir ou aller... voilà. Je ne vous arrête pas. Hakimé, il va poursuivre, puisque j'avais fait une question à Victor Mbokor tout à l'heure. Qu'est-ce qui sera le déterminant dans cette campagne électorale? Est-ce le discours que le candidat aura adressé à la masse, c'est-à-dire à l'assistance, ou le cash? C'est un tout. Parce qu'effectivement, quand on fait référence à ce qui s'est passé en 2016, quand Patrice Talon est venu au pouvoir, c'est bien ça, 2016. Oui. On a eu des populations qui ont été vraiment mouillées, mais ils disent tel est dans mon cœur, tel est dans ma tête et tout. Parce que la population savent désormais faire la différence. Et ils savent que oui, c'est le moment pour elles d'engranger un peu de bénéfices parce qu'on a serré les ceintures, il faut maintenant desserrer parce qu'il y a 1626 acteurs qui vont venir conquérir nos voix. Et donc, oui, c'est le mélange. Le cash va passer par là, mais il y a aussi la franchise. La réalité, en fait, ce que le candidat va dire. Ça dépendra donc de l'énergie. De l'énergie que le candidat va ménager pour convaincre l'électeur de pouvoir voter pour son parti et non pour l'individu. Parce que seul au Parlement, il ne pourra rien faire. Bon, vous parlez du cash juste parce que les acteurs eux-mêmes, en fait, ceux dont on parle aujourd'hui, ça dit des acteurs politiques. Si vous insistez sur le cash, c'est parce que les acteurs politiques eux-mêmes
on travaillait à faire peser dans la balance les déterminants cash. Mmh. Sinon, autrement, eh bien, on ne devrait pas en parler. Mmh. Pour la présidentielle, on peut tenir rigueur. Pour les législatives, on peut tenir rigueur. Pour les municipales, on peut tenir rigueur. En fait, ça dépend du type d'élection. Un candidat qui vous promet quelque chose qui n'est pas faisable, si ça motive votre choix, il y a un problème. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'un député a deux missions à l'Assemblée nationale. C'est légiférer et c'est contrôler l'action du gouvernement. Le député qui viendra dire aux populations qu'il est capable de leur construire des routes, c'est un député menteur ou c'est un candidat menteur. La seule chose qu'ils font et qu'ils continuent de faire bien malheureusement, c'est le volet assistanat. Nos honorables députés sont des assistants sociaux dans leur communauté de façon permanente. Oui, justement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est plus trop aisé pour les honorables députés de trop migrer. C'est-à-dire, le gars, il a ses affaires à Cotonou, il doit rentrer, je suppose, par exemple, à Tocantona, il doit rentrer à Malanville. Et donc, du coup, il se dit, en rentrant à Malanville, il fait déjà le point, il va dépenser 1 million, 2, 3, 4, 5 000. Parce qu'il ne peut pas rentrer à Malanville sans avoir à assister les populations. Parce que, bien malheureusement, eh bien, ce n'est que ça encore qui entretient les populations. Pour sortir de ça, pour ne plus être un assistant permanent, c'est qu'il faut que les honorables députés travaillent alors à leur niveau, une fois l'Assemblée nationale a produit, je dirais, des instruments qui permettent aux populations d'avoir un mieux-être. Lorsque le jeune du quartier a de l'emploi et qu'il n'a plus à attendre que les députés ne dépendent plus de vous, et donc vous n'avez plus désormais à rentrer, à avoir peur de rentrer. Lorsque la bonne dame a la possibilité de se faire de la bouillie et vendre dans la journée, se taper 50 francs, 200, 300, 400 francs comme bénéfice, eh bien, quand vous rentrez, elle vous remercie de lui avoir permis d'avoir, je dirais, un chiffre d'affaires pour commencer quelque chose. Donc, elle n'aura plus à venir vous embêter. Bien au contraire, elle vous apporte de la bouillie, elle vous apporte à manger, et le jeune garçon vous apporte des yams, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois que quand on réussira à ce qu'une fois l'Assemblée nationale, les honorables députés travaillent au mieux-être des populations, eh bien, le déterminant cash dont vous parlez n'aura plus sa raison d'être à l'occasion de certaines consultations électorales. Donc, moi, je voudrais véritablement ne pas avoir comme déterminant le cash, mais avoir comme déterminant l'offre de législature aux populations et qu'une fois au niveau de cette institution parlementaire, que les honorables députés travaillent véritablement à impacter le mieux-être des populations. Autrement, on aura peut-être à revenir sur le cash. Sinon, moi, franchement, le débat de cash qui reste un déterminant dans le vote, non. Je pense qu'il y a peut-être des actes de cash qui ont déjà été posés par le passé qui vont impacter complètement les populations. En fait, ce n'est pas maintenant que le cash va motiver le choix de l'électeur, mais le cash avait déjà impacté quelqu'un et donc il se dit, parce qu'hier, il a été à mes côtés, eh bien, je pense que je lui est redevable, donc je lui apporte mon soutien pour qu'il ait davantage. Parce que quand on donne quelque chose aux parents, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Que vous ayez davantage pour davantage en donner. Mmh. Et donc, c'est beaucoup plus dans cette dynamique-là que le cash a peut-être sa raison d'être. Le lancement officiel de la campagne, on aura le projet de législature officiel des différentes formations politiques. Et là, on aura à s'interroger également sur quelle base, n'est-ce pas, ces projets de législature ont été ficelés. Est-ce que ça fait la somme des besoins des différentes circonscriptions électorales telles que rapportées par les candidats positionnés et autres? Parce que vous voyez, quand les populations ont des besoins qui ne sont pas prises en compte, ça pose un véritable problème. Et Hakimé fait bien de tracer ou de rappeler ce qui est la mission fondamentale d'un député élu. On voit en tout élu, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir tout régler. Même si c'est un chef d'arrondissement qu'on élit tout de suite, quand dans son arrondissement, les voies sont impraticables et autres, directement, c'est lui qu'on voit comme si peut-être de sa poche, bien, il y avait une manne financière déposée par l'État ou quoi ou de qui, n'est-ce pas, qui, où il devrait puiser pour que ces voies soient asphaltées ou qu'on fasse le pavé ou le goudron à ce niveau. Donc, on aura à s'interroger sur comment les projets de législature ont été ficelés. Est-ce que dans chaque circonscription électorale, ces projets ont pris en compte les aspirations, les besoins et les difficultés des populations? Comment les mêmes candidats pourront, n'est-ce pas, de l'opposition, de députés futurs,
concrétiser tous ces, je dirais, tous ces rêves, tous ces besoins et autres. Parce que si on mise beaucoup plus sur l'offre, on a gagné dans le terme d'évolution dans la réforme du système partisan. Puisque la réforme du système partisan, entre autres objectifs, vise à réduire au mieux la circulation de l'argent lors des consultations électorales. Et puis on a vu comment en période de coronavirus pour les élections communales, l'argent a peu circulé. Mais ça finit par circuler. Donc, travailler à ce que, n'est-ce pas, le catch puisse se réduire. Parce que quand dans une région donnée, vous avez les jeunes qui ont l'emploi et que donc les députés ont travaillé à donner les outils, n'est-ce pas, à l'exécutif, je pense que c'est un soulagement pour tout le monde. Voilà. Et Victor Bocon, la campagne électorale, oui, c'est vrai qu'elle va s'animer, elle va beaucoup s'animer. La communication aussi va beaucoup agir. Comment est-ce que les candidats doivent-ils s'organiser, selon vous, pour atteindre le grand nombre? Vous savez, dans la communication qu'il faut faire pour ces campagnes électorales, on la verra peut-être sur trois facettes. Oui. La première communication, c'est la présence et l'occupation du terrain au travers des logos. Mm. Déjà à 0 heure, c'est lancé. Mm. Il faudrait que la population sente que les partis politiques sont en présence dans l'arène. Et c'est un déterminant. Écoutez, quand vous allez dans une circonscription électorale, alors que la campagne elle est lancée, quand vous ne voyez pas de logo d'un parti politique, vous dites tout de suite que ce parti politique est en fragilité. Mais quand tout de suite vous voyez le logo présent, vous dites, écoutez, ah bon, il y a du sérieux. Et rapidement, les partis politiques qui aspirent à occuper le pouvoir, déjà, ces partis politiques-là sont présents et vous faites déjà un petit classement. Ça, c'est un déterminant en termes de communication. L'autre communication ira dans le contenu de l'offre politique. Écoutez, je crois que la population était suffisamment formée aux enjeux et aux défis qu'il y a pour ces élections de 2023. Il va sans dire que pour l'heure, il sera question pour une catégorie de partis politiques, il sera question en fait je ne sais pas s'il faut dire, de continuité ou de consolidation de l'offre politique. Pour d'autres, il s'agira de venir défaire l'existant et d'envisager donc une alternative. Le débat va se faire aussi à ce niveau-là, parce qu'on aura une mouvance, mais on aura également une opposition. Dans la mouvance, se trouvera les éléments du langage pour consolider l'image du chef de l'État, pour pérenniser ses actions et donc parler option développement. D'un autre côté, la communication qui va se faire, c'est également d'autres partis politiques qui vont représenter l'autre offre. Donc l'autre volet, l'autre proposition, l'autre alternative. Et ceux-là également auront un discours pour montrer en fait que nous représentons l'alternative plus ou moins crédible et que dans ce sens-là, il faut que nous allons massivement au niveau de l'Assemblée de sorte que le jeu de pouvoir soit plus ou moins équilibré. Donc il faut compter sur ces deux formes également de communication. Oui. L'autre communication que j'allais dire, au-delà du logo, au-delà des enjeux, c'est également la personne. Donc les acteurs eux-mêmes qui doivent renvoyer une image au niveau des populations. Ceux-ci mis ensemble, et écoutez, accompagnés par la presse, la HAC fait déjà si bien de cadrer cela en donnant l'égal accès aux différents partis politiques. Il n'en demeure pas moins que les partis politiques qui auront plus de ressources pourront s'en sortir, vont affiner comme il se doit leur communication pour se présenter un peu comme des offres crédibles. L'un mis dans l'autre, on retiendra que pour cette campagne, la communication qui sera faite, elle ne sera pas celle qu'on a eu à voir entre-temps où les gens gaspillent dans des flyers inutiles qu'on jette à n'importe quelle pièce. Les élections deviennent de plus en plus techniques parce que simplement, les choses changent. Si hier, c'était la population, la grande masse qu'il fallait impacter. Ça, oui. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut aller vers l'électeur, celui qui a même de garantie une voix. Oui. Et donc, il faut aller rechercher dans les quartiers, rechercher dans la population, ceux-là qui doivent exprimer justement le choix des électeurs. Et c'est vers ceux-là justement que les actions doivent être menées
comme il se doit. Mm-hmm. Voilà, cher monsieur. Il a évoqué un volet tout à l'heure qui m'intéresse. Vous savez, par rapport aux affiches, je ne sais pas s'il y a une disposition particulière, peut-être que quelqu'un sur le plateau certainement parviendra à m'éclairer. Est-ce qu'il y a une disposition particulière en période électorale? Parce que les grandes affiches, vous savez, il y a des espaces publics, oui, et autres où chacun, n'est-ce pas, pour les candidats, sont appelés à aller et que ces autorisations, n'est-ce pas, après formalité au niveau des mairies, ça relève donc des mairies, et les maires sont aussi des... Il y a des agences, des régies publicitaires, et puis les partis vont contracter avec ces régies. C'est comme ça, voilà, donc c'est cet éclairage-là que je voulais pour qu'on s'assure qu'en termes de communication, il n'y aura pas, je dirais... Voilà pourquoi il rappelait tantôt que les partis politiques qui auront plus de moyens, ce sont elles qui vont beaucoup plus s'occuper. Voilà, et que donc il n'y aura pas de conflit parce qu'un maire est d'une coloration politique dans sa zone et veut peut-être mettre en difficulté les autres formations. Si le maire d'une coloration se réveille pas tôt et quand un candidat ou un autre parti politique anticipe et fait ce qu'on appelle de la réservation, parce qu'en fait, ce sont des panneaux qui sont pas déjà réservés. Ce n'est pas évident qu'aujourd'hui, jeudi, et 22, c'est ça, hein? 22. Non, mais à zéro, que vous ayez encore un panneau, c'est pas évident. La plupart des panneaux prêts à être occupés. Des panneaux bien positionnés ont été déjà récupérés par certains. Depuis des mois. Et c'est pas pour deux jours, c'est tellement pour les deux semaines que durera la campagne électorale. Et pour faire les réservations du genre, j'embouche alors la trompette de Bocor, c'est qu'il faut avoir des moyens pour le faire. Donc des partis ont réservé ces espaces-là pour véritablement vendre davantage et le parti et l'image et en même temps du candidat. Il y a même au sein de ces différents partis des initiatives du candidat. C'est-à-dire quoi? On n'attend pas que ce soit le parti qui prenne l'initiative, mais il y en a qui ont anticipé et qui très tôt déjà ont pris l'initiative, je dirais, de réserver ces panneaux en attendant que le parti mette à disposition ce qu'ils ont comme moyen afin de pouvoir peut-être compenser. À régler. Donc en gros, il n'y a rien à faire, nous aurons affaire donc à ces panneaux, les gens vont y mettre suffisamment de moyens. Il y aura les affiches sur les murs, ça c'est une évidence. Maintenant, comme l'a dit beaucoup les flowers, de plus en plus réellement, ça fait un peu technique. Nous avons connu des campagnes où c'était vraiment très beau, mais avec, je dirais, pas forcément trop de fleurs, mais bien, les trucs sont bien passés. De plus en plus, on assiste à ça. Donc, on aura certainement, bien évidemment, des A5 candidats, de partis qui seront collés un peu partout. Il y aura forcément aussi peut-être des candidats qui vont initier des plaquettes à l'effet de vendre beaucoup plus leurs candidats. Oui. Et là, à l'intérieur, on n'avait que des éléments de communication qui montrent un peu ce que le candidat a déjà fait dans sa localité, qui motive son positionnement sur la liste. Et là, c'est aussi des initiatives privées. Les initiatives de partis vont concourir à l'idée de vendre leur offre de législature, mais vous allez voir, il y aura des initiatives privées comme ça, individuelles, où chacun voudra être présent. Et dans l'opinion, et donc à l'arrivée le 8 janvier, soit c'est vous qui avez proposé la plus belle affiche, et donc la bonne dame elle est séduite par votre habillement, comment est-ce que ça a été fait, dit monsieur, je pense que je vais lui appeler mon souffle. C'est subjectif, bien évidemment, mais il y a des personnes qui l'avaient à la tête de certains. Font le choix parce que le logo il est bien beau, parce que le monsieur c'est un bel homme, parce que la dame elle est bien jolie, ainsi de suite. Donc, tout se soigne dans cette période-là. Tout se soigne. Et maintenant, à l'arrivée, c'est qu'il faut faire de telle sorte que véritablement, les éléments du langage, les propos qui sortent de la bouche de nos candidats, c'est pas pour rien que la HAC a rencontré, et là, c'est Emmanuel qui nous a fait le compte rendu, et les différents partis politiques qui sont engagés pour le code de ces législatives, le code de bonne conduite. Parce que il faut faire de telle sorte que ça ne déborde pas. Que chacun sache jusqu'où ne pas dire certaines choses. Oui. Parce que c'est une période très fragile, c'est une période très sensible, et je crois que chacun doit y apporter du sien pour que nous puissions traverser cette période de façon gaie, dans l'harmonie, dans la concorde, afin qu'à l'arrivée, la période de fête que nous avons toujours connue soit une belle période de fête. On a renoué avec, je dirais, une certaine joie. Parce que, et Christian, vous avez vu le nombre de personnes qui vont aux urnes. Il y en a qui n'avaient pas la chance d'exprimer le choix, les élections dernières, qui ont hâte
d'aller dans les urnes le 8 janvier prochain. Donc, il va falloir faire plus de travail, chacun à son niveau. Les professionnels des médias, nous qui relayons les informations, les propos de ces acteurs politiques, ce n'est pas tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu qu'il faut relayer. Non, de manière professionnelle, pour exactement. Ceux qui sont dans les médias conventionnels, il n'y a pas de quand problème. Quand on a été là, les utilisateurs de smartphones, ce n'est pas tout c'est pas qu'on envoie sur les réseaux sociaux. Les candidats eux-mêmes, ce n'est pas tout qu'on dit. Pas tout qu'on dit, bien évidemment. Ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que ça, voilà pourquoi cette chaîne de bonne conduite de la RAC est devenue. Lorsque vous avez des émissions contenues, oui, on sait quand même que la RAC a vu juste hein, en rappelant alors tout ce dont vous parlez. Avant d'apprécier la justesse de cette signature, de cette initiative de la RAC, il faut quand même rappeler que côté communication, c'est d'abord le contact direct et franc entre les candidats et les populations. Ah bon, contact direct, direct. Je suis d'accord, mais franc. Et franchi. Oui, oui. Qui doit être franc? Le candidat? Oui, contact direct et franc. Parce que nous avons des électeurs qui désormais veulent poser leurs problèmes. Posent des problèmes qu'elles vivent au quotidien. Donc des électeurs qui vivent au quotidien. L'électeur veut savoir si vous, Christian Dalédian, si vous avez une fois vécu en zone humide, si vous êtes resté en location une fois, si vous connaissez les réalités liées au fait que quelqu'un puisse aller dormir sans avoir pris le dîner. Le dîner, ouais. Donc en fait c'est ça, c'est un échange avec ces populations là. Des fois ça produit un déclic dans leur tête, ils se disent attention celui-là, il connaît nos réalités, il peut être le défenseur de nos causes au Parlement. C'est pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais vécu en location, qui n'a jamais conduit de train 11. Vous il est né la cuillère. Il est né la cuillère. Une cuillère en or. Vous connaissez le train 11. Elle a dit que nous sommes bien. Est-ce que vous êtes arrivés de la moto au lieu de conduire la moto, c'est la moto qui conduit. Et donc, non, je pense que j'ai juste fait cette parenthèse là pour dire que la population veulent être sûrs que ceux qu'elles avoient au Parlement vont porter leur voix. Ensuite, et lorsque vous regardez sur les listes là, est-ce que vous, non, il y en a, en tant qu'à la liste, non, il y en a qui vraiment, parce que pour avoir déjà établi un certain nombre de contacts avec la population, pour avoir pris des initiatives hein, dans le sens de d'améliorer leurs conditions de vie et tout, non, quand vous, je pense que il y a de tels. Maintenant, pour le secondo, c'est que oui, et puis sur la population, j'allais finir avec cette idée là, ne veulent plus des émissaires, c'est-à-dire vous envoyez des gens qui vous représentent, ils veulent que celui-là, que candidat, vous puissiez venir vraiment vivre avec eux ce qui se passe. Donc, oui, il faut établir le contact franc et direct. Ensuite, c'est de faire en sorte que au niveau de communication, et vous faites bien de rappeler ce que la CAF fait, un chat de bonne conduite, pour dire aux candidats, attention, sachez tenir des propos, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Les droits, je m'attellerai à ce que, la HAC, bien sûr, je m'attellerai à ce que vous puissiez avoir un accès équitable aux médias de service public comme privé. C'est ce qui est d'ailleurs fait. Maintenant, oui, vous avez dit l'argent va circuler, ça va beaucoup circuler parce que, oui, les médias auront des contrats avec certains candidats ou certains partis politiques, s'ils n'en ont pas encore. Et donc, oui, c'est ça pour dire aux candidats, attention, n'allez pas loin dans vos propos, ne nous faites pas dire n'importe quoi, ne publiez pas n'importe quoi. Ensuite, l'autre aspect de la question qui reste un peu flou, c'est que la HAC dit, vous ne devez contracter qu'avec des médias reconnus par la HAC. Les médias conventionnels sont reconnus par la HAC. Les web TV, quelle est leur situation? Les web radio, quelle est leur situation? Les web, ainsi de suite, quelle est leur situation? Est-ce que la HAC aujourd'hui peut me dire oui, je connais exactement la situation des web et je les ai autorisés à fonctionner au Bénin? Parce que c'est aussi ça. Et donc c'est à cela que même si la HAC, dans sa volonté de pouvoir ouvrir les choses, dit oui, contracter avec les web et tout, il leur revient de faire un traitement professionnel de l'information. D'accord. Pour qu'on ne puisse pas assister à des on ne doit pas avoir discuté au niveau de la HAC. Elle a la liste complète des médias qu'ils ont autorisés. S'il y a un web TV qui n'est pas autorisé, la HAC sait. Si vous êtes contracté avec un web TV qui n'est pas dans la liste, eh bien vous répondrez lorsque le web TV posera. Je dirais, il ira dans le grabuge. Non, il n'y a même pas un flou. Il y a une liste complète qui est tenue. La preuve, c'est que ça soit actualisé. Oui. Je parle sous vos contrôles. Et toi, vous plutôt, et Wahab qui faisiez la une des journaux, eh bien, quand un journal n'est pas autorisé, on ne le lit pas, on ne le relève pas. Oui. La même chose que, eh bien, quand un média n'est pas en règle, eh bien, quand vous allez contracter, la plupart des partis politiques se renseignent et ont la liste
à leur niveau des médias qui sont officiellement reconnus par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Donc ce n'est qu'avec ces médias qu'ils peuvent contracter. Je crois qu'il n'y a pas de, on n'a pas à nous, à nous inquiéter. Oui, en fait, sur la question, ce niveau, je tenais à dire que, écoutez, l'utilisation des réseaux sociaux, surtout le phénomène des réseaux sociaux, pour la campagne électorale, il faut prendre cela avec précepte. Si la loi dit que c'est 15 jours, vous constaterez que sur les réseaux sociaux, on y va bien au-delà. Ouais. Et donc, il y a une difficulté même pour la HAC, et ça, c'est pas seulement au Bénin, même dans des pays développés, il y a une difficulté, justement, pour ces différents acteurs-là, de réglementer comme il se doit la campagne sur les réseaux sociaux. Mais ceci dit, nous sommes à une étape où, pour ces 15 jours, déjà il faut dire que dans près de 90% des cas, les populations savent ce qu'elles doivent faire. Oui. Et les 15 jours, en fait, sont donnés pour allier davantage les élus et pour aller encore, comme il se doit, véritablement au contact des populations pour leur dire, écoutez, réveillez-vous, le moment vient, vous avez telle chose à faire, sinon... Écoutez, quand on dit pré-campagne, c'est une manière à peine voilée de dire en fait qu'il faut aller doucement, sinon nous étions en campagne. Voilà. Merci beaucoup à vous, Victor Mokor, administrateur électoral. Vous allez nous accompagner tout au long de cette période de campagne électorale. Merci à vous, Wahab Alipara, Herman Agnomoussou et Hakimé Sédou Ousseli. Et merci à vous, chers téléspectateurs, chez vous, c'était Actu Matin. Demain, vendredi, le plateau revient avec les faits de société. Nous vous disons une très bonne campagne électorale. Beaucoup de courtoisie quand vous rencontrez entre adversaires politiques sur le terrain. Nous voulons vivre de grands moments d'élection en République du Bénin. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.